الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله، مدد سلطان الأولياء، محمد نازل الحقاني. دستور مدد، مدد أهل الله، مدد يا رجال الله، مدد يا كتب التصرف. دستور مدد، مدد الحق، محمد الشنقباني. Nous demandons la louange pour Habib Kalmustafa sallallahu alayhi wa sallam et invoquons que sa grâce nous soit également accordée. Amen. Pour pouvoir suivre son chemin, le chemin de lumière qu'il a tracé, pour pouvoir suivre son exemple, pour pouvoir essayer d'imiter. L'imitation est importante. Try to imitate the good ones. C'est en imitant ses parents que l'enfant il apprend. C'est en imitant leur comportement et leurs habitudes et leurs états qu'il apprend à définir le sien. Alors l'humain, dans son mode d'apprentissage, toujours il a besoin d'exemples. Toujours il a besoin d'exemples qui l'accompagnent. Toujours il a besoin d'exemples qu'il peut voir, avec lesquels il peut relationner. C'est un principe qui est toujours fondamental dans l'apprentissage des humains, d'accompagner et d'imiter. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela leur titre. Sahaba. Ils ont été ceux qui ont gardé le compagnonnage. C'est pour ça que Shaul Naqshband, l'un des piliers fondamentaux de la Tariqa Naqshbandiya, elle porte son nom. The way is carrying his name, Shaul Naqshband. He used to say, تركتنا الصحوة والخير في الجمعية. Notre chemin est le compagnonnage. Et le bienfait est sur l'assemblée. L'assemblée qui est dans le compagnonnage. Et le compagnonnage du cheikh. Et le compagnonnage les uns des autres. Le compagnonnage des aînés.
عشان كده في طريقة النقشبندية العالية ils sont sur une lignée particulière. Their line is called the line of the Siddiq. La lignée des véridiques, car elle descend de Sayyidina Abu Bakr. Qui était le compagnon du premier calife et qui était également celui qui a hérité d'un secret particulier. Un secret, secret of illumination of the being. That's why Prophet said about him, what Allah Azza wa Jal granted me, I pour it into the heart of Abu Bakr. Il a, ce que Allah m'a accordé, je l'ai déversé dans le cœur d'Abu Bakr. Il n'a pas dit, je lui ai enseigné. Il n'a pas dit, je lui ai donné. Il a dit, j'ai déversé dans son cœur. Ce compagnonnage a ennobli le matériau de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. His material, his being, became noble, became enlightened, became perfected through companionship of the crown of creation, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, cette perfection a atteint le stade où il a atteint la station de Motu Kabla Mout, de la mort avant la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez voir quelqu'un qui est mort avant sa mort, regardez Abu Bakr. Mourir avant sa mort, c'est éteindre le nafs. Éteindre le nafs, hein, peut-être par génération. Mais son état était si exceptionnel. Son état était si exceptionnel. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certifié que Allah Azza wa Jal l'a nommé Siddiq, le véridique. Jamais le soupçon ou l'instant d'un doute n'a traversé son être. À propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, never a doubt. Never Shaitan was able to create a waswas in his heart. Above all companions, parmi tous les compagnons, la fameuse histoire de l'événement de Isra al-Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris de Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, qu'il a fait la traversée horizontale avant de faire l'ascension. To cover between Haram and Aqsa, Allah knows what was the meaning of that traveling. Je ne sais pas. Ce n'est pas anodin. Masjid al-Haram, il est le centre de toutes choses. Masjid al-Aqsa, il est le pôle des prophètes. All the prophets, their core center was Masjid al-Aqsa. And Prophet
Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam traveled from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. Et alors qu'il voyageait avec Sayyidina Jibril alayhi salam et avec Burak, il est passé au-dessus de la terre. Et lorsqu'il est venu à faire le récit de Isra wal Mi'raj, qu'il a été pris par son Seigneur dans une ascension au-delà de Kaba Kawsen wa Anna, au-delà de l'arbre de Lot, au-delà du point ultime, au-delà de ce point où toute chose créée devait s'arrêter, les compagnons doutèrent. Quand le récit commença, parce que c'était un récit au-delà de toute imagination. Même Sayyidina Omar, radiallahu anhu, quand il a reçu la nouvelle, il est allé voir Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Il n'est pas sûr. Il a dit, ya Abu Bakr, as-tu entendu le récit? Est-ce qu'il a dit, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq? Amana wa sadakt. Sadakt, ya Rasulallah. Ce qu'il a dit est absolument véridique, sans question. Si il l'a dit, alors c'est vrai. Et il définissait son titre, Siddiq. Celui dont le cœur, en fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous prenez le iman, l'état d'illumination de l'être, la foi, de toute la création, et vous le mesurez avec celui de Abu Bakr, son iman est plus lourd que celui de toute la création. His iman is heavier than all creation together. He is not better than you from something else. Is better than you for what is in his heart, his state of heart. How he became like that? Comment il a atteint cet état? Comment il s'est illuminé à ce point? Comment il a été forgé dans le matériau le plus élevé, le plus noble et le plus subtil? Dans un compagnonnage intime. Il est le compagnon qui a passé le plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le compagnon de tous les événements, de toutes les situations. Il est celui qui a été choisi pour l'accompagner en toutes circonstances. Il est celui qui a été choisi comme le successeur à l'unanimité par les compagnons, malgré le fait qu'il a refusé. He refused. But they all agreed upon it, that it cannot be anyone else. It has to be you, ya Abu Bakr. Et son entre, his being was so merciful. His archetype was melted with rahma, with mercy. Avec, il était forgé de miséricorde. Toujours, il était, il le surnommait comme l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. The shadow of prophet sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours, ses yeux, ils sont mouillés. Quand il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il le regardait, quand il entendait Coran Karim, toujours il était en train de pleurer. À tel point que quand il a été nommé khalifa, il y en a qui ont dit, mais
comment il va assumer la gouvernance, il est toujours en train de pleurer. He was always crying. So they say, how is he going to lead the Ummah from his state? Until Allah Azza wa Jal perfected him for that function. That's why, c'est pour ça qu'on les appelle Al-Khulafa Ar-Rashidun. Ce sont ceux qui ont hérité en autorité les vice-régents d'Allah Azza wa Jal sur terre, dans la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rashidun, les bien guidés. Guidés par qui? Par Allah Azza wa Jal, ceux qui ont été formés dans l'intimité de la paume du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, on dit que l'Arabie comptait environ 1 million de musulmans. Quand il est parti, 9 sur 10 ont voulu tourner leur dos. 9 out of 10, they wanted to run away from Islam after Prophet sallallahu alayhi wa sallam left. Then Sayyidina Abu Bakr stood up. Il s'est levé. Il a dit par Allah, le vœu qu'ils ont fait avec leur Seigneur, j'irai à chacun d'entre eux leur demander ce compte. Il s'est levé, il a déployé ses bras et il a sorti son sabre. Seyfullah. Et là, c'est Omar, il a regardé, il a dit par Allah, ce jour, j'ai compris qui était Abu Bakr. Although so many witnesses, let's say Omar, he used to challenge companions. He used to try to imitate them, and even sometimes it's going to be some challenges between them, quelques risques entre eux. Toujours, il regardait Sayyidina Abu Bakr et il se moquait de lui-même. Et il y a Omar, tu peux imiter Abu Bakr dans toutes sortes de choses, mais pas dans ce qui émane de lui. Pas, tu ne peux pas l'imiter dans l'odeur du foie grillé. You can't imitate him in the smell of burnt liver. Because his body was consuming from ishq, from mahabbatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut comprendre ça? Que ta matière, elle se consume pour l'amour que tu dégages pour le bien-aimé. Ça ne fit pas dans aucun paramètre des sciences que nous connaissons. Et ça, c'était le témoignage de Sayyidina Omar. sur Sayyidina Abu Bakr. Tu peux l'imiter dans toute chose. Tu ne peux pas imiter cette odeur qui émane de lui. On disait que c'est quand il relâchait son souffle, les gens sentaient ça. Ce jour, j'ai compris par Allah qui était Abu Bakr. Comment? À travers le compagnonnage. Dans ce compagnonnage, Allah Azza wa Jal a attaché leur cœur. He tied their heart in love. In Allah. He tied their heart in friendship. Dans une amitié profonde. À tel point, cette amitié que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra wal Miraj et qu'il est arrivé dans la présence, dans cette présence indescriptible. Alors on dit que tout son être a commencé à se déstabiliser. And his state became frightened.
from Jalal, Tajalli, from the majesty, de cette magnificence, de cette suprématie du Seigneur du monde. Tout l'être du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à se déstabiliser et à trembler et à rentrer dans un état de crainte et de terreur. Allah Azza wa Jal, pour l'apaiser, il lui a fait entendre la voix de Abu Bakr. Et quand il a entendu la voix de son ami de cette station, alors son être s'est apaisé. C'est un récit qu'on fait facilement. Il est parti de Masjid al-Aqsa, le Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, et après il a fait son ascension et il a visité, il a atteint Sidrat al-Muntaha, Kaaba Qawsayn wa Adna, il a rencontré son Seigneur, il a reçu la prière, il a reçu telle chose, il est revenu. Il est allé sur une limite qu'aucune créature n'aurait pu porter. Il est allé sur une limite que même le messager suprême, c'est Najibril alayhi salam, il a dit, Ya Muhammad, au-delà de cette limite, rien de créé ne peut subsister. C'est la limite établie pour le serviteur d'Allah, Jibril. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a remercié Sayyidina Jibril et il a continué. Dans quelle présence, dans quelle réalité, dans quel échange, qu'est-ce que cela voulait dire, qu'est-ce qu'il a reçu, quelles ont été les contraintes de cette rencontre? Si les océans de la création avaient été donnés en encre et les arbres et les plantes en plumes, on ne pourrait pas décrire juste ces instants-là. Parce que ces instants sont à propos de la grandeur et de la suprématie d'Allah Azza wa Jal, qui a choisi de recevoir son bien-aimé, qui a déployé le protocole des seigneurs pour préparer son serviteur pour l'amener dans sa présence, pour une rencontre magnifique. Et quelle rencontre ? C'est Abu Yazid Bistami. Sultan Arifin, il est Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, l'un des chers sur la Silsila Naqshbandiya. Il est l'étudiant de Imam Jafar Sadiq et le chef de Sayyidina Abu Hassan Harakani. Il est connu comme Sultan Arifin, le sultan des ascètes, des gnostiques. Et il est connu également pour ses hals, ses états, et sa conversation, son intimité avec son Seigneur. Pour avoir divorcé la dunya 6 fois, au moins. 6 times, il met talak on dunya. Pour avoir soumis son nafs. Une fois, ses étudiants lui ont demandé, « Oh, cher, dis-nous quel est ce combat magistral que tu as mené contre ton nafs ?» Il a dit, « Ça, c'est pas de vos affaires. » I can mention to you about the
easiest fight I had with my ego, not the strongest. Le plus léger des combats que j'ai fait contre le nafs. Il a voulu se reposer un jour sur le lever pour le tahajjud. Parce qu'il était fatigué. Il m'a dit, ah, donne-moi encore un peu de temps. Juste pour avoir demandé un peu de temps, je l'ai interdit de goûter l'eau fraîche pour une année. Comment tu oses demander un répit alors que le temps est venu d'aller te prosterner devant le Seigneur des mondes? Il l'a dit à son nafs. Par Allah, tu ne goûteras pas l'eau sur une année. Sultan Arifin. Ça, c'est les détails des détails de sa vie. These are small elements of his life. He made his nafs not to taste water for 1 year because the nafs was a bit tired from waking up for tahajjud. He said, il a dit, le jour du jugement, l'honneur d'être appelé chez Allah Azawajal est si grand que peu importe où mon Seigneur il m'enverra. S'il m'envoie Jannah, Alhamdulillah. S'il m'envoie Jahannam, Alhamdulillah. C'est pas important pour Abba Yazid. Les étudiants, ils demandent, oh cher, comment tu dis quelque chose comme ça? Il a dit, Ahsan, c'est pas important pour Abba Yazid. Il a été appelé par Allah. Allah Azawajal va faire appeler cette créature insignifiante par son nom. Ça vaut tous les trésors de la création et tous les trésors de l'éternité d'être appelé par le Seigneur des mondes. Peu importe sa décision après, quelle importance. These are people of reality. They understood the deeper level. C'est pour ça que Sayyidatuna Rabia al-Adawiyya, Allah illumine son visage et son secret. Elle a dit quelque chose qui a piqué certains, mais qui est évident pour d'autres. Si tu adores ton Seigneur parce que tu veux la récompense du paradis, ou alors tu crains le tourment de l'enfer, alors tu es un mouchrik. He said, if you are worshipping because you want a reward of paradise or you are afraid of the punishment of hell, then you are a mushrik. He said, tu es un idolâtre. They ask, how this is possible? We are created and we want that reward and we are afraid. Elle a dit, il faut adorer Allah pour lui. When your aim is a reward or your aim is a fear, it is not for Allah that you are doing your ibadah. So you are making partner to Allah the desire of a reward. Or you are making partner to Allah the fear of a punishment. It's obvious. It's obvious for the heart that has a little bit of understanding. If the brain is on one line, like a square mind, Maulana Sheikh used to call some people square minds, whatever, then they might try to say what you are saying. Allah. C'est Abou Bakr al-Siddiq. Dans un compagnonnage, dans une imitation,
il a hérité. Alors, Mashaykhin al-Kiram, toujours, ils disent, il faut garder le compagnonnage des gens qui portent la lumière. Those that Allah chose them, He perfected them, He enlightened them, He rose them. Ahlullah, Awliya al-Kiram, because nous ne pouvons plus aujourd'hui avoir accès aux prophètes et aux messagers. Khatm al-Anbiya, c'est Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a fermé et il s'est voilé de la création. On ne peut plus avoir accès, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, ils sont partis sur leur temps. Certains ont vécu longtemps. On dit que Sayyidina Salman Farisi, radiallahu anhu, il a vécu presque 200 ans. Almost 200 years he lived. He was another one, not like others. Prophet sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Sayyidina Salman Farisi, il est min ahl al-bayt, il est de ma maison. Il fait partie de ma famille. Il a nommé la couronne de chaque chose. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné la couronne de chaque chose. Il a dit la couronne du Khorasan, c'est Sayyidina Salman. Et Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, alors, dans ce compagnonnage intime, dans cette imitation, Allah Azza wa Jal l'a parlé. Alors, nous ne pouvons pas les suivre, nous ne pouvons pas les rencontrer, mais qu'est-ce qui nous reste ? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله dit ô vous qui croyez remplissez votre cœur de taqwa et gardez ce compagnonnage des véridiques ce qui veut dire qu'il y a des véridiques parmi nous. Il y a les gens d'Allah. Il y a les gens Ahlullah. Awliya al-Kiram. Les gens sur qui Allah Azza wa Jal a fait descendre quelque chose de particulier. Their state enlightens everything around. Their state rises everything around them. Look, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayr al-khalq, la meilleure de toutes les créations. Son état stabilisait toute la dunya. Son être illuminait chaque créature. Sa lumière était un bénéfice pour toutes les âmes, pour tous les humains, pour tous les djinns, pour tous les anges, pour chaque créature animale, pour chaque plante, pour chaque astre, pour chaque goutte d'eau, pour chaque grain de sel ou grain de sable, pour chaque atome. Allah Azza wa Jal lui a accordé cela. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il a été envoyé comme un souffle
un souffle de miséricorde, comme une brise de lumière, de bonne nouvelle pour toute la création. La manifestation de la douceur, la manifestation de la porte qui nous ouvre la capacité d'être accepté chez Allah Azzawajal. Qui peut être accepté? Qui ose avoir la prétention? Let one to stand and dare to say that he is eligible for divine standard. It's impossible. Even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Quand Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, il a compris ça. Il a disparu 3 jours, il était caché dans la Kaaba en train de pleurer. Quand ils l'ont cherché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait le trouver à l'intérieur de la Kaaba. Ya Abu Bakr, mon ami, que fais-tu ici et que tu es dans tel état? Il a dit, Ya Rasulallah, pour toi, il n'y a pas de rivage de sûreté. Même ton cas n'est pas certifié chez Allah, azza wa jalla. Quelle est la possibilité pour aucune des créatures? Il a dit à Abu Bakr, c'est ainsi. Il est Allah. Et lui aussi, il s'est mis à pleurer. Et ils ont pleuré ensemble. Et Allah Azza wa Jal, so he is teaching us that no one is eligible for divine standard. Because we all have shirk khafi in us. Our heart, whose heart is longing for his Lord day and night? Woo! Hubbu dunya. C'est l'amour de la matérialité et l'amour de l'illusion et l'amour du nafs lui-même qui nous tire et qui nous. Il faut qu'on soit genuine, il faut qu'on soit authentique avec nous-mêmes. Il faut arrêter de penser d'être prétentieux. Et Allah Azza wa Jal, il décrète wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. À propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, comme cette porte pour recueillir et recevoir les serviteurs et les créatures. Regardez la stature des gens d'Allah. C'est Abu Bakr al-Sadr. Il a fait un doigt. Il a fait une invocation à son Seigneur. Il dit, Ya Rabbi, tu as créé Jahannam. Il doit y avoir des habitants qui rentrent dedans. Fais-moi rentrer. Mais fais que mon corps est si grand que personne d'autre peut rentrer. Et on ne pense pas qu'il fait partie de Ahl al-Jannah. Il est nommé parmi les 10 du paradis. Et on ne pense pas que son doua est maqbul, que son invocation est acceptée. Et on ne pense pas que le sadiq, le véritable, il n'a pas un ikhlas infaillible quand il dit quelque chose comme ça. Il a une sincérité infaillible. His state is purely sincere when he made that doua. And his doua is maqbul. So Allah is going to accept from him. He made that dua. It's known. Ça, c'est une leçon pour les gens aujourd'hui qui, pour un oui ou pour un non, ils veulent sortir leurs frères de l'islam et les destiner à l'enfer. Aujourd'hui, tellement d'écoles de pensée, ils sont takfirés. Ils excluent les gens de l'islam. Dès que tu fais quelque chose, il a dit ça, c'est du kufur. Toi, tu vas aller, tu es un kafir maintenant.
Oh, tu as écouté la musique, khalas, tu es un kafir. Oh, tu as célébré Mawlid Sharif, khalas, tu es un mouchrik. Ils ont acheté le paradis, c'est pour eux. Ça, c'est une triste nouvelle pour des gens qui disent quelque chose comme ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque deux sont réunis et l'un accuse l'autre, nécessairement chez Allah, le jour du jugement dernier, l'un des deux portera le titre. Donc, si tu accuses ton frère d'être un kafir ou d'être un mouchrik, et que ce n'est pas ça chez Allah Azzawajal, c'est toi qui rentres dans la présence divine avec ce titre. Regardez, Seyyidina Abou Bakr, comment il faisait. Il a tiré sa langue une fois et il lui parlait. Il dit, combien de fois tu as mis mon pied dans le trou? How many times you put my foot in the hole? He was speaking to his tongue. Alors il a gardé dans sa bouche une pierre. Cette année. 7 years. Il la sort pour dormir, pour faire les ablutions, pour manger, pour réciter le Coran ou la prière. All the time, the stone is in his mouth, in silence, in order to listen and not to speak, and to keep control of his tongue. And he was a Siddiq. Il était le véridique. Si on savait jusqu'à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre la langue. Toutes les maladies de la langue, toutes les défaillances de la langue, tous les problèmes qu'ils vont nous attirer. Et toutes les recommandations qu'il a données dessus. Contre le langage futile, le langage ignare, le langage calomniateur, le langage moqueur, le langage insultant, le langage douteux, le langage insinuant. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la langue. Et le véridique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dompté sa monture, il a dompté son nafs, il a tenu sa langue. Et il l'a pour nous, pour nous donner un exemple. Nous qui sommes dans le verbiage inutile toute la journée, en train de parler de politique, ou de parler de nos idoles de sport, ou de parler de malayani, de ceux qui ne nous regardent pas. Comme il disait à Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il a demandé, Ya Rabbi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait plus plaisir qu'autre chose de la part de ton serviteur? Et Allah Azzawajal lui a répondu, Ya Moussa, je suis le plus satisfait de mon serviteur lorsqu'il s'occupe de ses affaires. Allah Azzawajal nous accorde du souffle de sa miséricorde à travers la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous accorde du regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous accorde du souffle de Sayyidina Abu Bakr, que nous soit donné Sidq, que nous soit donné d'être véridique, d'être sincère, d'être intime au prophète, d'avoir de. Mais dès que ça l'est, t'as le rah. La mention de ces gens fait descendre la miséricorde divine. C'est pour ça qu'on les mentionne. Et la mention de leur rappel nous met en lien avec eux. Allah Azza wa Jal, il dit, nous accordons le shafa à qui nous voulons. L'intercession suprême
Habibi kan Mustafa. Mais tellement d'autres vont intercéder. On sait Fatoumatou Zahra, Tahira, Anha, elle a l'intercession. Ya Rabbi, nous avons évoqué, c'est Nabou Bakr Siddiq en cette soirée. Nous demandons d'être sous son regard, de partager de son caractère, d'être parmi ceux qui l'ont respecté, ceux qui l'ont aimé. Ton messager, ya Rabbi, il a promis que nous serons ressuscités avec ceux que nous avons aimés. Nous déclarons, ya Rabbi, nous aimons ton prophète, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons sa famille, Ahlul Bayt. Nous aimons tes messagers. Nous aimons les honorables compagnons. Et nous aimons Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Accorde-nous d'être ressuscités dans leur compagnie. Amen. Et dans leur faveur, et de bénéficier de leur intercession. Amen. Ila Hadrati Nabil Fatih. MashaAllah, Cheikh Omar. Zindabad. MashaAllah.